Alors, il s'agit là de financer, d'accorder une subvention donc pour la halte-garderie qui est située au centre social Béliard. Donc, c'est l'équivalent de 7 places par demi-journée. Il faut savoir que ça rend service à une cinquantaine de familles qui viennent ensuite profiter des activités proposées par le centre social. Donc, il y a une vraie utilité sociale. Nous avons pu le constater la semaine dernière avec Gérald de Briant, puisqu'on a visité cette structure. Donc, il y a une vraie cohérence, en fait, d'avoir un accueil commun entre la halte-garderie et le centre social, puisque, du coup, les familles qui déposent leurs enfants à la halte-garderie vont ensuite dans la salle d'accueil et rencontrent des associations pour pratiquer des activités artistiques, prendre des cours d'alphabétisation, etc. Donc, pas de problème. Je vous propose de voter cette délibération. Madame de Korte. Évidemment, il n'y a pas de problème. Simplement, qu'il s'agisse de halte-garderie Béliard ou du Dauphin Bleu ou d'autres délibérations sur la toupie, on n'a pas eu les fiches techniques. Donc, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas avoir le bilan. Si, moi, nous avons eu les fiches techniques, donc je peux vous les procurer. Donc, elles étaient jointes à l'ordre du jour. Hein, y a alors, ce qu'on pourrait faire, je demande à l'administration d'abord pour le futur, de mettre les fiches techniques quand elles sont disponibles. Elles y étaient. Elles y étaient. Hein. Elles étaient toutes à la fin, en fait, regroupées dans un document unique, fiches techniques. Que vous avez dû recevoir, que vous avez peut-être, mais bon, on ne peut pas tout lire non plus parce que c'est assez volumineux, surtout quand il y a 70 délibérations. Donc, Madame de Korte, pas de difficulté pour que vous ayez un double sur ces fiches techniques, mais elles ont été mises donc en annexe, j'ai bien compris. Voilà. C'est bon, Monsieur Honoré l'a retrouvé. Merci de venir à la rescousse, Monsieur Honoré. Alors, fort de cette légitime demande et de la réponse, je mets aux voix, pas de problème pour Béliard.